je dis à moi, je vais parler de pays, y a pas soit ici qui permet de visiter sans visa ou bientôt ou qui prend visa automatiquement pour arriver dans l'aéroport d'un pays côté ougandais. Contrairement à ce que nous pensons, y a pas soit ici qui permet de visiter plus que 40 pays. Mais malheureusement, le pays a diminué de jour en jour. Pour qui ça a diminué? Parce que la situation politique et économique du pays n'est pas suspendue, dégradée de jour en jour. Donc, ça, c'est une mauvaise nouvelle. Mais par contre, il y a plus de pays que nous toujours qu'à visiter. Parmi les pays, nous avons Hong Kong, nous avons Kosovo, Singapour, Saint-Vincent, Corée du Sud, Israël. Nous avons le Chili, pas trop longtemps de ça, nous couper le mais nous. Nous connaissons pour qui ça, nous faisons ce deal. Argentine aussi, 2-3 mois de cela, Haïtien ont été visiter, mais malheureusement, nous n'avons pas de possibilité ça encore pour aller en Argentine. Donc, si vous avez aimé voyager pour visiter quelques pays, comme Zambie, Togo, Tanzanie, Ouganda, Népal, Mozambique, et puis un paquet d'autres pays, comme Madagascar, moi invité ou faire ça parce que kounia ou pas gain problème parce que ici on a mené ou seulement peut-être pour qu'on gain possibilité ou bien pour qu'on prenne décision pour acheter billet d'avion pour aller. Mais je dis moi voulais porter attention à qui un petit pays qui relait Guyana. Guyana c'est un pays en Amérique du Sud que haïtien qui a visité avec passeport sans visa. Capitale c'est Georgetown. Il y a environ 245 000 personnes qui vivent sur ce bout de ça. Il est situé entre le Brésil, Venezuela et puis Suriname. Ça veut dire qu'il y a une frontière avec pratiquement 3 pays côté de l'empile haïtien qui vivent. Donc, même si on a une possibilité pour aller dans le pays, on peut conclure bien tout près à Georgetown pour visiter un bel petit pays qui est en pile, belle année. Et puis, pas oublier, like, pas ça. Pour qu'il y ait plus de vidéos qui sont intéressantes pour apprendre un pile de bagages, surtout sur la question voyage. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler de pays Brésil, comment on peut faire pour gagner un passeport brésilien et je vous dis que le passeport brésilien permet de visiter plus que 155 pays. Vous entendez? Plus que 155 pays. Vous êtes branchés.